ça, que nous avons une bataille pour les crises médicales haïtiennes, nous parlons en deux temps. Le premier temps, là, par le 1857 à 1957. Et le deuxième temps, là, allait de 1957 à 2010. Puis ça me traite la dernière, comme son nom l'a dit, c'est de bataille électorale et crise politique. Montre les relations qui gagnent entre ces deux faits historiques. Bataille électorale, pourquoi je parle de bataille électorale? Parce qu'en Haïti, il n'y a pas vraiment de compétition électorale en termes de concurrence entre des candidats rivaux, à même pour le même poste, ce qui est normal. Des concurrents dans la vie, voire dans le commerce, donc avoir des concurrents, c'est également au niveau électoral. Mais en Haïti, c'est une véritable lutte entre gladiateurs. Gladiateurs, et qui l'ont dit, c'est des prisonniers que Néron, de la Rome antique, on met des âmes dans les mains, des condamnés à bord, et puis dire, ça tue l'autre là, m'a parlé de la vie, pour la liberté. Le monde qui a fait politique en Haïti, le monde qui a voulu le pouvoir en Haïti, le monde avec l'esprit du gladiateur. C'est-à-dire qu'il faut que lui tuer l'autre là, lui-même ne soit pas pour le pouvoir. Il est pour le pouvoir, il y a tout le bagage, c'est peut-être seulement pour le pouvoir. Alors, nous devrions mettre accent sur le bagage. Comme en Haïti, on n'a pas de véritable progression électorale, comme c'est cela est normal dans une démocratie. En Haïti, l'espace où brutal pour les, c'est une férocité. C'est comme si on était dans la jungle. C'est la loi du plus fort. Mon intérêt, c'est surtout pour la jeunesse. C'est surtout pour la jeunesse contente. Hein? Je leur remets des intérêts. Puis il y a 70% du vocabulaire sur les jeunes. Donc, que nous ne pouvons pas brûler, ce sont les jeunes qui sont appelés à prendre la relève. Nous arrivons à divulgation que il faut faire la politique autrement. Ne fais pas la politique avec l'esprit de les aider. A fait bagage chez moi, j'ai cher. L'esprit de jeune, a fait tout coup pour créer un bureau pour ne pas répéter bagage ça. D'accord? Donc, ça veut dire. Donc, faut changer la manière de faire la politique. D'accord? On ne peut pas penser que ce changement d'esprit, va venir facilement parmi les aînés. Hein? C'est-à-dire qu'on voit une cochue, hein? Il est facile pour les essayer. Mais vers des jeunes qui nous tirent avec notre temps, et la vie pour tout, la vie pour capter, nous pensons qu'il y a possibilité pour que nous renouvelons.